comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite collaboration des familles. J'ai grave hâte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, on va parler de la Myrtilla Box qui a été lancée par Roberta du blog Réglisse et Myrtille. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Les réseaux sociaux, les liens, les blogs, tout. Donc, Roberta a lancé sa box il y a maintenant quelques mois. Elle en a déjà sorti deux et aujourd'hui elle m'a proposé de collaborer avec elle et donc elle m'a envoyé la deuxième. Donc je l'ai reçue dans mon courrier hier et pour être totalement honnête, je l'ai déjà ouverte, mais je vous promets, j'ai tout remis comme il faut dans le carton pour tout vous montrer, sauf le papier bulle, parce que... Donc le principe il est très simple, c'est une box beauté que vous allez recevoir chaque deux mois, donc elle est bimestrielle, naturelle et suisse, dans laquelle vous allez retrouver 5 produits de fabrication artisanale et suisse, des soins, des accessoires, des produits parfois zéro déchet et également du maquillage bio et naturel. La chose que j'ai trouvée hyper intéressante avec cette box, c'est que déjà ça favorise les petits commerçants et les petits artisans locaux. Vous voyez, vous avez un produit qui vient du canton dont vous provenez, d'une petite dame qui fait ses trucs chez elle. C'est vraiment, je trouve, super chouette. Autre chose que je trouve vraiment super, que j'ai pas retrouvé dans d'autres box, c'est que celle-ci vous pouvez totalement la personnaliser. Donc quand vous créez votre compte, donc dans mon compte, dans profil beauté, vous allez pouvoir vraiment choisir et sélectionner vos préférences. Par exemple, si vous n'aimez pas le mascara bleu, ben vous allez recevoir que du noir. Ou si vous avez les cheveux fins, vous allez recevoir des produits pour les cheveux fins. Si vous avez la peau sèche, grasse, peu importe, vous allez vraiment recevoir des produits totalement personnalisés pour vous. Et ça, c'est genre tellement une bonne idée, c'est con hein, mais fallait y penser. Ensuite, il y a une deuxième option qui est une petite nouveauté que vous allez pouvoir choisir. Donc dans la box de base, vous recevez des produits soins et du maquillage, mais si vous n'avez pas envie de recevoir de maquillage, vous pouvez également dans profil beauté cocher l'option que vous voulez pas de maquillage et donc vous allez recevoir un soin à la place du produit make-up. Et puis niveau prix, la box est au prix de 55 francs. Alors peut-être que sur votre chaise vous êtes en train de wouh, genre 55 francs, what? Mais en fait c'est pas si cher que ça si on réfléchit bien. Oui, on a des pink box qui sont genre à 20 balles, mais honnêtement dans la pink box il y a genre 4 produits dont 3 échantillons. La plupart vous n'allez pas les utiliser et puis surtout ça a une durée de vie assez limitée, alors que là vous avez vraiment des produits déjà qui sont fabriqués maison, qui sont de provenance suisse et puis surtout c'est des produits qui vont vous durer super longtemps en fait, donc pour le prix c'est vraiment pas cher du tout. Donc pour la petite histoire, moi j'ai commandé la toute première box qui est sortie, qui était la box du mois de mai. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, je vous invite fortement à le faire, je vous mets tout ça là et en barre d'infos parce que je poste assez régulièrement des trucs. J'ai adoré la première box, mais genre je l'ai adoré. Honnêtement, avec cette première box j'ai fait des découvertes mon gars. Mais des découvertes, truc de ouf. Je vais pas trop me répéter, mais comme j'avais dit sur les réseaux sociaux, Roberta c'est une fille que j'avais rencontrée en vrai. C'est une fille que je suis sur son blog depuis assez longtemps. Et ben, le fait qu'elle ait créé ce concept là et qu'il soit un concept aussi chouette, ça me fait trop plaisir et j'ai trop envie de l'encourager. Et d'ailleurs je suis super touchée quand elle m'a proposé de faire cette collaboration, j'étais grave touchée. Mais sans plus attendre, on va passer directement au contenu de la deuxième box, donc la box de juillet, parce que je vous sens vous languir un petit peu derrière vos écrans. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est un carton assez compact. Petit logo juste ici qui est vraiment trop choupi. Voilà, et le trop choupi c'est vraiment une expression de merde. Donc quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc vous avez le petit fascicule qui résume tout ce qu'il y a dans la box, les prix, d'où ça vient et comment ça s'utilise les produits. Et ensuite
Petit fascicule nous dit que la valeur totale des produits de la box de juillet est de 77,90 francs, alors que je le rappelle, elle vaut 55 francs. Donc juste un petit mot sur ce fascicule, je le trouve très bien détaillé et très pratique. À chaque fois en fait vous avez le nom du produit, sa provenance et vous avez une petite explication de pourquoi Roberta l'a choisi pour nous. Vous avez également une petite explication de comment ça s'utilise et comment elle aime bien l'utiliser. Vous retrouvez également tous les liens pour les racheter si vous en avez envie. Donc ça, je trouve vraiment que le travail fait là-dessus est assez ouf. Donc on va découvrir cette box ensemble. C'est le moment de y aller parce que j'ai beaucoup parlé là. Donc le premier produit, c'est un déodorant, baume déodorant abracadabra qui vient de la petite fabrique. Donc je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà plongé les doigts dedans pour voir comment il sentait. Donc c'est un baume déodorant totalement naturel qui sent de ouf bon. Il y a de l'amande dedans, je suis sûre, ouais. Et la composition est juste dingue. La petite fabrique, en fait, pour tout vous dire, c'est une petite boutique qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Donc je vais pas vous montrer l'adresse, mais... Je vais pas vous montrer l'adresse parce que sinon vous allez savoir où est-ce que j'habite. Ça fait un petit moment que j'ai envie de tester leurs produits parce que je les vois tout le temps. Je passe devant cette boutique tous les jours et j'avais trop envie de tester. Je suis trop grave contente de l'avoir reçu. Donc premier produit, très très bonne surprise et je sais pas si vous remarquez la taille du truc quand même. On a une quantité de 50 grammes, donc juste pour vous dire, ça va vous faire une vie. Donc quand je vous dis que 55 francs c'est pas cher... C'est pas cher. Deuxième produit, et donc c'est un sérum de jour Nigella. Donc là, avec ce produit-là, on a une petite fiche explicative. C'est un sérum de jour pour le visage 100% naturel qui favorise la réparation de la peau, purifie, assainit et apaise les peaux à problème et ralentit le vieillissement cutané. Enrichi à la vitamine E, aux huiles végétales de nigel, noisette bio et papaye. La composition est incroyable, hein, comme vous pouvez le lire. Si vous ferez un arrêt sur image. Hein. Donc ce sérum vient du canton de Genève et c'est un produit de la marque Zendumaya. Aucune idée, il est au prix de 25 balles. Les gars, c'est 25 francs ce truc. Hein. Donc je suis grave contente parce que moi j'arrive à la fin de mon sérum Lavera et je cherche justement un sérum un peu naturel, sans silicone, tout ça. Et je galère de ouf à en trouver un. Ça sent bon. C'est un sérum pipette, hein. Comme vous pouvez voir, j'adore les sérums pipettes, c'est genre trop bien. Voilà, je suis ravie. Non mais de toute façon, il n'y a pas de surprise, je suis ravie de cette box. Produit suivant. Donc, on a reçu un petit coton lavable et celui-ci, je le connais parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'en ai déjà acheté. Donc, c'est les cotons lavables de chez Rachel Kaufmann qui viennent du canton de Vaud. Donc, c'est les meilleurs cotons lavables de l'univers. J'en ai acheté, ça c'est la version douce en plus. Ils sont tellement... J'adore ces cotons, ils sont géniaux. Géniaux, j'en permets mon français. Donc si vous ne connaissez pas Rachel Kaufmann, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook ou son Instagram. Donc elle fait des lots de coton comme ça par 7. Vous pouvez commander vous-même les matières qu'il y a derrière. Il y a deux matières différentes. Ça c'est la plus douce, celle qui est blanche. Moi ça fait plusieurs mois maintenant que je me suis mise au coton réutilisable, au coton lavable. Et c'est une monstre. Le suivant, c'est un produit de maquillage, donc c'est le mascara Jungle de chez Boho. Donc c'est un mascara bio, je vais vous montrer la brosse. En fait, pour tout vous dire, je l'ai mis ce matin. Voilà. Voilà. Donc la brosse se présente comme ça. Donc moi je l'ai reçue en noir parce que j'ai précisé dans mon profil beauté que je ne voulais que du mascara noir. Et donc c'est un mascara qui est censé faire de la longueur. Donc je l'ai mis ce matin mais je ne l'ai pas mis tout seul. Hein. J'ai mis un autre avec parce que moi de toute façon les mascaras dès que je les utilise la première fois ils sont jamais comme je veux. Et puis ça vient par la suite. Donc Boho Cosmetics, je sais pas si vous connaissez cette marque. Mais c'est une marque qui fait des produits vegan, qui normalement c'est vegan, hein. Oui il est vegan, qui fait des produits vegan qui sont bio et pas forcément naturels, mais il y a quelques produits naturels il me semble, et le packaging est en carton et pas en plastique, donc c'est parfait, non franchement... Tout est parfait dans cette box. Donc pour le dernier produit, on a reçu de la marque Good Mood Sparkle un après-shampoing Flower in Your Hair. Voilà, je parle très bien anglais toujours.
Donc qui est un après-shampoing solide donc de la gamme Unicorn de chez Unicorns de chez Good Mood Sparkle. Et comment vous dire que ce truc là, il a l'air dément, mais dément. Ça fait un moment que j'ai envie d'essayer des après-shampoings solides parce que là actuellement j'utilise un baume démêlant qui est très bien, mais c'est vrai que le zéro déchet, le solide, c'est vraiment super. Donc la composition est évidemment irréprochable et totalement incroyable. Comment vous dire que je suis mais ravie. Tous les produits, en fait c'est ça que j'adore avec cette box, c'est que tous les produits sont utilisables et tout tient super longtemps. Je veux dire, le mascara ça va me tenir assez longtemps, c'est un full size. Le sérum, je pense que j'en ai pour 600 ans. Après shampoing solide, je vous en parle même pas, je pense que ça va me durer des années. Ça, je pense qu'au moins 50 ans ça va me durer. Et puis le déo naturel, je suis désolée mais 50 grammes de déo, je pense que j'en ai pour au moins 4-5 ans. Donc comment vous dire que 55 francs c'est genre juste tellement pas cher, c'est un truc de malade. Tout est hyper bien détaillé, voilà. Couper, c'est génial, allez commander cette box, au revoir. Non, pour revenir un petit peu plus sérieusement, vous avez compris que j'étais complètement conquise par ce concept, que j'étais complètement conquise par le travail fourni et le fait que ça se tourne vers plutôt du naturel, du bio et du suisse, ça me fait vraiment plaisir parce que moi j'en ai marre de voir ces box avec 40 millions de produits L'Oréal Paris et des trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Et je vous conseille à 1 000 000% d'en tester au moins une. Allez, testez-en au moins une. Faites-moi plaisir. Bref, je vais pas m'étaler encore 1 000 ans sur le sujet. Vous avez compris que je suis ravie de cette box-là. C'est la deuxième et c'est la deuxième que je trouve juste géniale. Je vous encourage vivement à vous en commander une. Franchement, ça vaut grave la peine. Bref, si cette box t'a plu ou t'intéresse, je t'invite vivement à aller regarder la barre d'infos. Je mettrai tous les liens, toutes les explications. Si tu as des questions, n'hésite pas à poster un petit commentaire et si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre j'aime. J'espère que ça t'a plu. J'espère que le concept t'a plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.